Jésus, nous avons prié. Et que l'Église entière dise Amen. Dieu, Père éternel, nous te bénissons ce soir. C'est une joie, un enthousiasme d'être ensemble, que c'est une grande communion, la bénédiction d'être réunis ayant le même cœur, la même pensée, le même but d'avoir de toi. Nous prions ce soir comme nous sommes arrivés. Nous demandons, Seigneur, que ton esprit nous enseigne ce soir de façon claire et convaincante au nom de Jésus-Christ. Le désir pour faire, le désir pour observer, pour pratiquer exactement ce que tu nous enseignes des cieux soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je dis que le faible dise « Je suis fort », que le malade dise « Je suis guéri », que ceux qui sont timides, qu'ils disent « Je suis audacieux dans le Seigneur ». Je prie, Seigneur, que le courage, la conviction et la hardiesse viennent à tous au nom de Jésus-Christ. Comme les gens du monde annoncent ce qu'ils ont et se tiennent dans les bus et dans les lieux publics et partout, ils en parlent, ils parlent à la radio, à la télé, ils publient la petite chose qu'ils ont dans les journaux. Nous avons la grande chose sur terre. Nous avons quelque chose qui doit emporter l'homme d'ici au ciel. Nous prions que le courage, le zèle, l'enthousiasme, le courage, la bravoure, la puissance pour déclarer ce que nous avons et inviter les gens à la retraite prochaine soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Donne à nos enfants le courage et la hardiesse, nos frères et nos sœurs, le courage et la hardiesse, nos étudiants, nos collégiens, le courage et la hardiesse, nos enfants et les collégiens, le courage et la hardiesse, nos ouvriers, nos partenaires, le courage et la bravoure, nos membres et tout le monde qui entendent le courage et la bravoure, afin que Seigneur nous publions la retraite, que nous l'annoncions partout, que nous disions à tous, Seigneur, que chaque local, chaque lieu de retraite soit à pléthore. Et à partir de la première nuit, nous prions qu'il y ait une pluie de bénédiction, un déluge de bénédiction. Comme les gens vont à la retraite, avant qu'on ne prie que la guérison prenne lieu, qu'il y ait des miracles, qu'une abondance surnaturelle coule à nos vies au nom de Jésus-Christ. Partout, Seigneur, nous prions que les pécheurs soient guéris, les pécheurs soient sauvés, les chrétiens sanctifiés, que la présence de Dieu descende sur le monde au nom de Jésus-Christ. Comme nous sortons pour publier la retraite, que tu pourvoies à nos besoins, qu'il n'y ait plus de manquements au milieu de nous, qu'il n'y ait plus de limitations dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que le ciel remplisse notre âme, notre famille, notre église au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu as promis de nous parler, Seigneur, parle car tes enfants écoutent. Et que ce que nous écoutions nous renforce, nous équipe. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une étude spéciale. Que tout le monde dise « étude spéciale ». Nous parlons de la retraite de décembre et nous allons enseigner des écritures au sujet de cette retraite. Je vous l'ai déjà dit au cours de la prière que la retraite de décembre sera du 24 au 27 décembre de ce mois. Quelque chose vous arrivera, ce sera très grand. Cette retraite de décembre, c'est pour vous et c'est pour moi. Et Dieu merci. Je serai là. Ma famille sera là. Quiconque que je connais, oui, partout, j'inviterai les gens, ils seront là, je serai là. Et Dieu fera de grandes choses, des choses merveilleuses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. De quoi parlons-nous ce soir? Nous parlons de la préparation pour une grande moisson. La préparation pour une grande moisson de bénédiction. Nous devons nous préparer. Quand Dieu dit de faire quelque chose et que
Il veut déverser sa bénédiction sur son peuple. Le peuple de Dieu doit s'apprêter et nous devons nous préparer la préparation pour une grande moisson de bénédiction. Voyons Ésaïe 40. En Ésaïe 40, nous voyons verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Vous voyez déjà ce que le prophète dit. Le prophète savait que de nouvelles choses arrivent. Voyons Ésaïe. Ésaïe était un prophète spécial. Et nous voyons que en Ésaïe 40, avant chapitre 40, on a chapitre quoi? On a chapitre 39. Et du chapitre 1 au chapitre 39, c'était comme l'ancienne alliance. C'était comme l'Ancien Testament. C'était comme de vieilles choses qui étaient arrivées aux enfants d'Israël. Mais arrivé en chapitre 40, c'est le commencement de nouvelles choses que le Seigneur voudrait faire. Comme vous allez venir à la retraite, c'est la fin de l'année qui s'ouvre sur le commencement d'une nouvelle année. Et il nous dit de nous préparer parce que la nouvelle année sera différente. Les angoisses de l'année passée s'écouleront. Et le chagrin et les maladies du passé vont disparaître. Et une nouvelle page va s'ouvrir. Chapitre 40. Le prophète nous dit que ceci sera une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Et nous devons nous préparer au désert le chemin de l'Éternel. Et après avoir fait cette préparation, qu'est-ce qui va se passer? Et dit que toute vallée soit exaucée. La vallée, c'est là-bas, dans le fond. Et la vallée sera élevée. Si vous êtes dans la vallée, vous serez élevé. Deux, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Arrivé à cette nouvelle ère, à cette nouvelle dispensation, et dit que les montagnes et les collines qui vous ont empêché, parce qu'ils étaient élevés, vous ne pouvez pas les monter. Ces montagnes seront abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Tout ce qui est rugueux dans votre vie, dans vos affaires, dans votre boulot, tout sera redressé. 4. Et les défilés étroits en vallon. Dieu merci, lorsque nous aurons fini à la retraite, tout ce qui est défilé, tout ce qui est dur, difficile, Dieu merci, le temps de la retraite viendra. Dieu merci, le temps de la retraite viendra. Et tous ces défilés étroits deviendront des vallons. 5. Et la gloire de l'Éternel sera révélée. Elle sera révélée dans votre vie. Et au même instant, toute chair la verra. Numéro 7. Toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Si je suis vous, oui, je vais commencer à me préparer parce que quelque chose de grand arrivera. Quand nous parlons du rassemblement du peuple de Dieu, oui, depuis les temps immémoriaux, Dieu a désiré que son peuple se rassemble afin qu'il les bénisse. Laisse-moi vous dire le secret. Il y a des choses que vous n'aurez jamais dans l'isolement. Il y a des bénédictions que vous n'aurez jamais par vos propres efforts. Quel que soit et votre sérieux et votre spiritualité, si vous êtes demeuré tout seul, il y a des choses que vous n'allez jamais connaître, que vous n'aurez jamais. Mais c'est lorsque vous allez vous rassembler avec le peuple de Dieu et vous êtes là pour prier avec ceux qui prient, ceux qui aiment le Seigneur, vous vous rassemblez avec les enfants de Dieu, beaucoup de choses que vous n'avez pas eues vous-même, ces choses vont commencer à vous arriver. Laissez-moi vous montrer cela en Genèse. En Genèse 49. En Genèse 49. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Voyez cela, ça c'est la prophétie. Voyez cette retraite de décembre, c'est l'accomplissement de prophétie. Parce qu'on dit que
que son peuple se rassembleront auprès de lui. Quiconque reste en arrière, quiconque ne se rassemble pas avec le peuple de Dieu, lorsque le découlement des bénédictions du ciel vienne, lui ne fera pas partie de l'accomplissement de cette grande prophétie. Moi, je vais prendre part à cette prophétie. Et que les peuples lui obéissent. Ce n'est pas seulement une prophétie, c'était un ordre, un commandement. En Psaume 50, voyons Psaume 50, verset 5, en Psaume 50, verset 5, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. C'est un commandement. C'était une prophétie, car le peuple lui obéisse. Et Dieu a dit, pour que cela se produise, toi, vous ministres, vous enfants de Dieu, vous et pasteurs, vous dirigeants, vous ouvriers, il vous donne un commandement. Vous membres du corps de Christ, il vous donne un commandement. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Voilà ce que cela veut dire. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Ils ont payé le prix de consécration. Et ils espéraient la bénédiction de consécration de venir sur eux. Et Dieu a dit, je ne vais pas vous donner la bénédiction dans l'isolement lorsque vous êtes à vous-même. Beaucoup de choses pour lesquelles vous priez, que vous désirez, vous les aurez lorsque vous vous rassemblez avec le peuple de Dieu. Et Dieu va les déverser en ce temps-là. C'est pourquoi il a dit ici, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et en Sophonie 3, vers la fin de l'Ancien Testament, Sophonie 3, verset 19. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Donne-moi un bon amen là-bas. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Voici ce que le Seigneur nous dit ici. Numéro 1, je vous ai dit, c'est une prophétie. 2, un commandement. 3, maintenant, ceci est une promesse. Je vais recueillir ceux qui ont été chassés. Quand des personnes ont été chassées, renvoyées de leur boulot, d'autres ont été renvoyés, et comme de bâtiments ont été démolis, et les gens étaient chassés de leur quartier. Tant de personnes ont été chassées de la joie, de la bonté du Seigneur. Et le Seigneur dit, lorsque vous rassemblez, lorsque vous accomplissez la prophétie, lorsque vous obéissez au commandement, alors moi-même, je vais recueillir ceux qui ont été chassés. Je ferai de un sujet de louange et de gloire dans tous les pays. C'est-à-dire que le temps de retraite n'est pas seulement un seul lieu de retraite ici à au ciel ici, mais dans diverses régions, dans les États, dans les pays en Afrique et au-delà de l'Afrique. Et le Seigneur a déjà dit cela, que je parmi tous les peuples de la terre. Et le Seigneur, il est dans tous les pays où ils sont à nos propres. Lorsqu'on se rassemble, le Seigneur va ôter l'opprobre de notre vie. En ce temps-là, je vous rassemble, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Lorsque vous répondez à ce grand rassemblement, pas seulement vous, vous êtes en partenariat avec le Dieu Tout-Puissant, et dit moi-même, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire. Vous ne serez pas ôtés du registre, et que je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Dieu merci, cela va se produire. Ésaïe 56, 7. Ésaïe 56, verset 7 et 8. Le rassemblement du peuple de Dieu, comme on se rassemble auprès du Seigneur. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Arrivé à la retraite,
Si vous ne savez pas comment prier, l'esprit de prière et de supplication viendra sur vous. Et dit, quand nous prions comme ça, il nous donnera une abondance de joie. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, le Seigneur, l'Éternel. Ouais, qui rassemble, ouais, rassemble. Partout dans la Bible, cela veut dire que si vous êtes un croyant biblique, un vrai enfant de Dieu, vous avez la Bible dans votre main et vous obéissez à la Bible, vous allez vous rassembler ensemble, vous allez vous rassembler avec le peuple de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, parmi lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui. Je réunirai d'autres peuples à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Et dit, il y a Sia déjà qui sont autres. Ils ne sont pas ici. Ils ne font pas partie de l'église. Tous les membres de l'église, les saints de Dieu, nous allons nous rassembler. Et puis il y a d'autres aussi que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont jamais venu ici, ceux qui ne sont jamais venus ici. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Nous-mêmes, nos voisins, nos amis, nos collègues, le Seigneur a dit qu'il va se rassembler avec nous. Ils vont se rassembler avec nous. Quand le Seigneur nous bénit, le Seigneur va les bénir aussi. Lorsqu'on se rassemble comme ça, alors c'était un signe, numéro un, que nous voulons accomplir la promesse de la prophétie, que nous voulons nous soumettre et obéir au commandement du Seigneur. Trois, que nous voulons être en partenariat avec Dieu afin qu'il accomplisse sa promesse. Numéro quatre, cela veut dire qu'il y a une commission avec une promesse. Le Seigneur dit, fais-le, c'est la commission. Et puis il attache une promesse à cela. Nous disons, oui Seigneur, nous cherchons l'accomplissement de la promesse. Alors nous allons obéir à la prophétie. C'est une preuve de notre gratitude que Dieu a pu nous parler, que je vais te bénir, que je vais te donner. Je ne peux pas te donner cela en isolement. Alors, soit dans ma maison, lorsqu'on se rassemble comme ça, c'était une preuve de notre gratitude à Dieu et la confirmation de notre foi dans le Seigneur. Ce qu'on n'avait pas, Dieu a dit que nous l'aurons ce décembre. Et parce que nous y croyons, c'est une confirmation de notre foi. C'est pourquoi nous allons pour nous rassembler avec le peuple de Dieu. Nous allons voir l'étude en trois points. Premier point, la préparation personnelle pour la bénédiction promise. La préparation personnelle pour la bénédiction promise. Deux, la proclamation par le peuple désirant la bénédiction promise. Trois, la participation et la prière pour la bénédiction promise. Numéro 1, nous parlons de la préparation personnelle pour la bénédiction promise. Quelle bénédiction le Seigneur exige-t-il de moi, de toi en tant que pasteur? Quel genre de préparation le Seigneur demande-t-il de notre pasteur dans notre région, dans notre pays, dans notre quartier, dans notre église locale? Quelle préparation Dieu demande-t-il des choristes? Le Seigneur veut que vous prépariez en tant qu'étudiant, en tant que collégien, en tant qu'élève. Le Seigneur vous appelle à une préparation en tant que coordinatrice et en tant que pasteur d'une église locale dans le district là-bas. Quel genre de préparation le Seigneur demande de nous en tant que membres de l'église? Et pour ceux qui sont ici, vous êtes ici pour la première fois, vous faites partie de cela aussi. Quelle préparation le Seigneur demande-t-il de toi, de moi et de chacun de nous? En Ésaïe 62, versets 10 et 11. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Il y a quelque chose de grand qui se produit. Et beaucoup de personnes vont venir de toutes les directions. Et le Seigneur dit que nous devons préparer le chemin pour ces gens qui viendront.
franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Et nous dit de préparer les gens à venir. Ce n'est pas seulement que vous préparez à venir, mais vous devez venir. Je dis, vous allez venir. Mais vous devez aussi préparer la route pour les gens qui viendront. Alors, il faut ôter tous les empêchements de la voie, ce qui sera un empêchement entre toi et ton voisin, que quand tu lui parles, il ne va pas accepter cela. Il faut ôter cela, ce qui sera un empêchement entre toi et ton collègue au bureau. Quand tu lui parles, il ne va pas accepter. Quelque chose qui est entre toi et les collégiens et les étudiants et les élèves, tu dois ôter les empêchements et tu vas préparer les gens et préparer la voie pour eux pour venir. Verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Et toute personne que vous rencontrez, filles de Sion, les hommes, les femmes, vous allez leur en parler. Quand tu dis filles de Sion, je sais qu'il y a des gens qui disent que ça, cela se réfère aux femmes seules. Mais vous devez bien lire votre Bible pour comprendre la Bible. Parfois, quand on dit l'épouse de Christ, la femme, l'agneau, et l'épouse de l'agneau, cela se réfère à toute l'église et non aux femmes. Les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. Aussi, la fille de Sion est une appellation se référant à tout le peuple de Dieu en Israël. Le Seigneur dit ici que voici ton sauveur arrive. Votre salut, votre délivrance viendront à la retraite. Et la joie du Seigneur sera votre force au nom de Jésus-Christ. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Quand il parle d'enlever les obstacles, d'ôter les difficultés de la voie et dire à tout le monde que vous rencontrez, que vous voyez, que quelque chose de grand se produira, que le salut du Seigneur, la plénitude de la liberté dont on aura besoin dans le Seigneur. Alors que vous apprêtez-vous et ôtez les empêchements de la voie. Laissez-moi vous montrer un exemple en Genèse 45. En Genèse 45. Genèse 45, 25. L'histoire ici se réfère à une famine dans le pays. Et Jacob était une personne âgée en ce à l'époque. Et ses enfants et la famille entière mouraient de faim. Alors qu'il y a l'abondance à quelque part. Et cela a été découvert. Et ils sont venus dire à Jacob au sujet de l'abondance. Et c'était une préparation. Mais voyez, Jacob a l'angoisse dans son cœur. Parce qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Jacob. Et commençait à ôter les empêchements. Et montrer l'évidence à Jacob que quelque chose de bon se produisait en Égypte. Qu'il devait aller là-bas. En Genèse 45. Verset 25, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Oui, quelque chose qui était arrivé. Oui, il croyait que Joseph était mort. Quand on dit que Joseph vient encore, qu'il y a la bénédiction qui les attendait là-bas, il n'a pas cru. Parce que son cœur était froid. C'est pourquoi vous devez ôter les pierres, ôter les obstacles, montrer aux gens l'évidence que cette retraite de décembre, nous les invitons à un grand moment, à un grand rassemblement. Et l'abondance viendra sur tout le monde. Comment avait-il pu ôter les empêchements, comment avait-il ôté les obstacles afin que Jacob puisse aller? Verset 27, et lui rapportèrent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, viens encore. J'irai et je le verrai. Voici le mot.
Voici le mot qu'on cherche. Vous devez, ce que vous devez écouter de la bouche des gens, quand vous leur dites cela la première fois peut-être, et ils doutent de cela, et vous commencez à leur montrer l'évidence que ceci va se passer, ceci va se passer, et vous leur parlez avec conviction, et le Seigneur va soutenir votre conviction. Toute bonne chose que vous leur dites que cela va se produire à la retraite, toute bonne chose va leur arriver. Et vous leur parlez de façon convaincante. Et comme Jacob, ils diront, j'irai. Chapitre 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi. Voici cela. Lorsque vous parlez aux gens, il faut leur dire de prier. Cela, le Seigneur va les convaincre. Le Seigneur a dit à Jacob, ça c'est une bonne décision que tu as prise. Tu dis que tu iras, moi aussi le Dieu Tout-Puissant, je descendrai avec toi. Quand vous vous arrêtez, quand vous vous asseyez là-bas, vous décidez que j'irai, j'irai, j'irai. Le Dieu Tout-Puissant t'assure que j'irai là-bas avec toi. Il est là et que là je rencontrerai tes besoins. Là je te bénirai. Là je vais déverser toutes mes bénédictions sur ta vie. Laisse-moi vous lire Nombre chapitre 10. Et si vous dites à quelqu'un, et la personne a dit que non, moi je ne vais pas aller, j'ai d'autres programmes, moi je ne crois pas aller à une retraite en un tel moment, que ferez-vous? Est-ce que vous allez dire que d'accord, je lui ai parlé, mais il a dit non, je lui ai parlé, il a dit qu'il ne pouvait pas aller. Alors qu'est-ce que vous allez faire? En Nombre 10, voilà le verset 29. Moïse dit à Hobab, fille de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Qui est ce Hobab? Qu'est-ce qu'il est pour Moïse, beau-père? Alors accrochez-vous à cela, nous voyageons. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous. Et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. A commencer pour voir l'invitation de Moïse, c'était positif, c'était pratique, c'était prophétique. Il a dit, viens avec nous. Il n'y a pas de doute dans l'esprit de Moïse. Il allait à un pays où coule le lait et le miel. Et il disait à son père, à son beau-père, tu dois venir, j'ai découvert quelque chose de bon, j'ai vu cela. Alors cela va enrichir ta vie. Tu ne peux pas voir quelque chose de pareil et te le cacher. Viens avec nous, nous te ferons du bien. Pratique, positif et prophétique. Arrivé là-bas, tu as fait partie de ceux qui auront ces choses, ces richesses du pays. Et nous aurons les richesses de Christ. Comment l'homme a parlé, a répondu, verset 30. Hobab lui répondit, je n'irai point. Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Ouais, c'est là que beaucoup d'entre nous s'arrêtent. Quand alors que je lui ai parlé, il a dit je n'irai pas. J'ai joué mon rôle. S'il ne nous suit pas, s'il n'a pas la bénédiction, ce n'est pas ma faute. Je lui ai parlé. Si tu t'arrêtes là-bas, tu ne sauras pas ce qui a suivi après. Voilà verset 31. Et Moïse, j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Laisse-moi vous montrer ce qui était arrivé après. En Juge 1, verset 16. Faut pas les laisser tout seul. Moïse n'a pas laissé son père, son beau-père tout seul, pas parce qu'il lui a parlé la première fois et l'homme a dit non. Que je n'irai pas avec vous, que je retournerai dans ma patrie. Il a continué à lui faire pression. Tu dois venir. Tu manqueras quelque chose de grand si tu n'es pas arrivé. Finalement, l'homme s'est soumis et est allé avec eux. Juge 1, verset 16. Les fils du Kénien, beau-père de qui?
beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda, au milieu d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Ouais, Moïse n'a pas laissé son beau-père en paix lorsqu'il lui a parlé la première fois. L'homme a dit que non, j'ai mon plan, j'ai mon lieu à aller, je n'irai pas avec vous, je vais retourner à mon pays. Moïse continuait de lui en parler. D'ici et du 24 au 27 décembre, lorsque vous allez continuer la retraite, continuez à leur parler, ils viendront. Et lorsqu'ils viendront dresser leur tente avec nous et que le Seigneur déverse la bénédiction sur eux, ils vont vous regarder disant que merci beaucoup, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé. Si tu m'avais laissé la première fois que tu m'avais parlé, je disais non, que je ne vais pas venir, que j'ai mon pain en ce temps de Noël. Si tu m'as laissé, regardez ce que j'ai reçu, regardez ce que j'ai reçu. Ils vont te remercier, non seulement ils vont vous remercier, le Dieu Tout-Puissant va vous bénir à cause d'eux. Le père, le beau-père de Moïse était allé parce que Moïse ne l'a pas laissé tout seul. Vous n'allez pas démissionner. Dites-le à tout le monde autour de vous. Dites-le. Est-ce que vous n'allez pas leur dire? Vous allez leur en parler. En Luc 14, verset 23. En Luc 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des grès, et ce que tu trouveras, contraint les dentistes. C'est ce que Moïse a fait à son beau-père. Il l'a contraint. Il n'accepte pas non pour réponse. Quand vous parlez à quelqu'un, la personne dit non, j'ai mon église. Non, nous avons notre retraite. Non, nous avons notre convention. Non, nous avons notre programme. Nous allons faire quelque chose. Vous devez les contraindre avec amour, avec douceur, avec promesse, avec prière. Contraint-les avec d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le Seigneur nous dit que faut pas démissionner. Vous n'allez pas céder. En Zacharie 8, ouais, parfois, il y a des gens qui vont prendre part à la publicité. Allons. Et eux-mêmes ne seront pas là. Ne seront pas là au cours de la retraite. Ce genre de publicité ne sera pas efficace. Si vous voulez que cela soit efficace, lorsque vous leur en parlez, allons. Vous-même, vous direz, j'irai moi-même. Ces mots sont importants. Allons. Tu les invites. Et toi aussi, tu dis, je serai là. En Zacharie chapitre 8, voici verset 21. Zacharie chapitre 8, verset 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer, c'est bon. Mais vous devez vous-même vous consacrer à cela, vous engager que je t'invite, seras-tu là? Oui, je serai là moi aussi. Je serai le numéro un à être là. Je vous invite à aller, je ne vous envoie pas seulement aller là-bas, moi-même j'irai. Verset 21. Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui suit? Nous y irons aussi. Dites-le-moi encore. Nous irons aussi. Dites-le-moi avec conviction. Nous y irons aussi. Ouais. Ça, c'est le secret d'une publicité efficace. Vous savez que vous irez et vous avez décidé d'aller et vous vous êtes préparé pleinement d'être là et avec l'engagement personnel, la préparation personnelle que vous serez là et vous dites à d'autres personnes, je serai là, allons-y. Nous irons aussi, verset 22, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si vous décidez que j'irai, que j'invite des gens à venir et je me rassemble avec eux afin d'être là. Si dans ces jours, là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons
avec vous. Quand ils voient votre engagement, quand ils voient votre communication, la façon dont vous leur parlez, quand ils voient votre conviction, votre courage et votre attente et votre foi, quand ils voient que ce dont tu parles réellement est important, que vous êtes vous-même, alors ils diront, d'autres, avant même de leur en parler, disent que j'avais appris cela, nous irons avec vous. Et dix hommes, pourrez-vous avoir un tel objectif? Nos dirigeants nous ont dit, nous devons tout faire que chacun de nous amène deux personnes. Certaines personnes disent que ça c'est dur, c'est difficile, mais Dieu a dit que je vous ferai faire ce qui est dur. Je vous ferai faire ce qui est difficile. Pas deux, mais 10 personnes. Vous allez inscrire leur nom, telle personne de telle adresse, avec ce tel numéro, avec ce tel email. Ils diront qu'ils iront. Vous allez les visiter et prier avec eux et iront avec nous au nom de Jésus-Christ. Mais nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Cette retraite qui vient, qu'on publie déjà, alors c'est une opportunité, cela offre l'opportunité aux gens de se plonger dans la puissance de Dieu. Dieu a dit qu'il nous donnera tout ce qui est pour la piété et pour la vie. Il nous donne le salut et la liberté totale. Nous aurons la délivrance et la guérison. Nous aurons la sainteté et les vertus célestes et les guérisons et les richesses célestes. Et vous aurez la personne dans tout défi de votre vie. Donnez-moi un bon amen. Et la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Il y aura la fructification dans votre famille. La stérilité va disparaître. Je dis, la stérilité va disparaître. Avez-vous remarqué quelque chose? Que ceux qui ont des enfants, ils ont des enfants. Quand à la retraite, rappelez-vous Anne. Anne n'a pas l'enfant, n'a pas obtenu l'enfant à la maison. Elle pouvait dire que je peux prier à la maison, pleurer à la maison. Je peux présenter mes requêtes au Seigneur à la retraite. Mais il y avait une retraite à Silo. Elle était allée à Silo, le lieu de cette convention. Et lorsque les autres mangeaient, elle n'avait pas pu manger. Elle commençait à prier, invoquer le Seigneur à cause du fardeau et l'amertume de cœur. Et Elia dit, ôte de dessoule toi Seigneur, je ne me suis pas saoulé, mais à la retraite, j'ai seulement une seule retraite, que je me donne un seul fils. Et l'homme de Dieu, Elie, lui a dit, quel qu'il te soit fait selon ta requête. Et toutes les larmes sont ôtées. Oui, à la retraite, toutes vos larmes seront essuyées. Vous allez rentrer à la maison. Dès qu'elle est rentrée à la maison, elle a conçu. Quel est le fruit de cette retraite? C'est Samuel. Et Samuel n'était pas un enfant ordinaire. Elle est devenue un grand prophète dans le pays. Ce que Dieu vous donnera à la retraite prochaine ne sera pas une bénédiction ordinaire. Ce sera une bénédiction extraordinaire. C'est pourquoi nous allons là-bas. Et les gens qui ont obtenu quelque chose de grand du Seigneur, c'était à la retraite lorsqu'ils se sont rassemblés avec le peuple de Dieu. C'est en ce temps que Dieu leur a donné ce qu'ils désiraient. Votre temps est arrivé. Vous savez que c'est seulement décembre, c'est une fois par an. Et voici le temps. Vous serez là. Voilà le deuxième point. La proclamation par le peuple désirant la bénédiction promise. La proclamation par le peuple désirant la grande bénédiction promise du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui désire la bénédiction de Dieu ici? Vous êtes là? Vous allez proclamer cela. Parce que si nous désirons la bénédiction de Dieu, nous-mêmes, nous devons proclamer ce qui a à venir. Ce qui a à venir. Psaume 68, verset 12. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ouais, le secret. Quand vous voulez avoir une grande bénédiction du Seigneur, le secret c'est que les gens d'Israël, ils n'ont pas laissé la publicité entre les mains de Moïse. Il est un pasteur en plein temps, il est un berger en plein temps, il est un dirigeant en plein temps, qu'il fasse toute la publicité. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les gens n'ont pas dit que je ne suis pas prophète, je ne suis pas berger, je ne suis pas ouvrier. Je ne suis pas ceci et cela. Je ne suis pas assez âgé
chacun d'eux, dès qu'ils ont appris que Dieu a dit que je suis prêt à faire quelque chose de grand, je suis prêt à faire quelque chose de merveilleux, lorsque le Seigneur a donné la parole, on dit qu'une grande armée, les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Tout le monde qui entend cela doit dire cela à d'autres personnes. Viens, c'est ta responsabilité, c'est la mienne, c'est notre responsabilité. Tout le monde doit raconter l'histoire. Tout le monde doit appeler les gens. Tout le monde doit rassembler les gens. Quand vous les rassemblez, ils vont venir. Et Dieu va les bénir et Dieu va nous bénir. Psaume 100, psaume 145. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers nous, avec tous, n'est-ce pas? Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Et ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Ils proclameront cela, cela veut dire que nous n'avons pas d'autre chose à dire en ce temps-ci. On peut pas parler de la pluie, de l'abattant, parler de l'ensoleillement, parler de des actualités. Il n'y a qu'une seule chose à parler en ce temps-ci. Vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous envoyez un email à quelqu'un, il n'y a qu'une seule chose à discuter. Vous envoyez un SMS, vous n'avez qu'une seule chose à dire. Et vous écrivez une lettre, vous faites une annonce, vous n'avez qu'une seule chose à dire. De ce moment jusqu'au temps de la retraite, il faut en parler. Vous êtes enfant de Dieu et vous avez appris que Dieu va faire quelque chose de grand, de merveilleux. C'est ce dont il faut parler. Voyez, entre mari et femme, il faut en parler. Entre les parents et les enfants, voici ce qu'il faut discuter. Entre les enseignants et les élèves, voici ce qu'il faut dire. Entre les voisins et les colocataires, voici ce qu'il faut discuter. Tout le monde en parle afin que partout le bruit retentisse. Que à cette retraite vient, et lorsque vous allez ici, ce sera le frère A qui en parle. Vous allez ici, vous racontez Monsieur D, c'est ce qu'il raconte. Partout où vous allez, c'est ce que nous allons tout dire. C'est ce que tout le monde va dire que oui, ceci, c'est quelque chose que je dois être là. Et ils seront là. Je dis, ils seront là. Et vous serez heureux parce que vous en avez en parlé. Et ils sont là. Et quand Dieu les bénit, ils ne vont pas t'oublier. Ils vont dire que c'est tel frère qui m'a fait venir à celui-là. Regardez ce que Dieu m'a fait. Et comme ils prient pour eux-mêmes, ils vont prier pour vous aussi. Et ils vont. Et nous avons verset 11 que je vous le dise. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Quand quelque chose de bon arrive, si vous êtes une personne reconnaissante, si vous êtes personne reconnaissante, vous devez en parler. En Daniel 4, donc quelque chose de bon est arrivé à Nebuchadnezzar. Il en avait parlé, il a publié cela, il a proclamé cela partout, il a écrit cela. C'est ce que nous devons faire aussi. Je ne vais pas permettre à Nebuchadnezzar d'être plus reconnaissant, plus juste que moi. Je ne vais pas permettre à Nebuchadnezzar d'être plus juste que moi. Je ne vais pas permettre à ce monarque de l'Ancien Testament d'être plus grand en publicité et en proclamation, plus que ce que je peux faire, plus que ce que vous pouvez faire. Vous allez surpasser Nebuchadnezzar. Vous allez surpasser Nebuchadnezzar. Il n'avait pas de radio, il n'avait pas de télé, lui il n'avait pas de portable téléphone, il n'avait pas de portable pour envoyer un SMS, il n'avait pas d'internet à son époque. Aujourd'hui, on a tout cela et on peut utiliser les SMS aux gens. Les jeunes envoient les SMS aux gens que la retraite vient à parler leur du temps, de la date et du lieu. Nous aurons un grand rassemblement. Ils seront là. En Daniel 4, verset 1. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Ouais, ici,
Il ne limitait, il ne modérait pas sa publicité. Il y a des gens, ils vont dire que allez doucement. Faut pas en parler de trop. Quand si les gens viennent en foule et la nourriture et l'hébergement, je vous dis, Dieu va vous surprendre. Cette retraite est différente. Si vous demandez, arrivez là-bas, où est-ce que je vais rester? Dieu va te surprendre. Qu'est-ce que je vais manger? Dieu va te surprendre. Dites-leur de venir. Et ils vont voir que ce Dieu, tout est possible avec lui. Et il nous dit, verset 2, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il a publié cela à tout le monde, à toutes les nations qui demeurent sur la face de la terre. Si Nebuchadnezzar pouvait faire cela avec ses ressources limitées, avec sa technologie limitée à l'époque, combien plus ferons-nous avec la technologie qu'on a? Que votre cerveau commence à fonctionner et que votre cœur voit et la vision de comment vous pouvez agir et atteindre beaucoup de personnes. Quel que soit ce qui a été fait, il faut en faire plus. Ce qui vient à votre esprit, qu'on n'a pas fait, il faut commencer cela pour que beaucoup de personnes viennent. En Michée 4, nous lisons le verset 2. Des nations s'y rendront en foule. Parce que vous savez qu'à cette retraite, beaucoup de tribus seront là. Votre tribu, ma tribu, leur tribu, nos tribus, toutes les tribus viendront. Dans tous ces lieux, les gens qui n'ont jamais mis pied à la retraite, ils seront là. Des gens qui n'ont jamais appris que quelque chose de grand, de merveilleux se produise à nos retraites, ils vont l'apprendre et ils seront là. Nos voisins et nos parents qui ont dit que ils vont jurer jamais qu'ils ne viendront à cette église-là. Ces gens-là, leur déclaration sera bannie, ils viendront. Les grandes personnes viendront, les jeunes viendront, les femmes viendront, les hommes viendront, nos sympathisants viendront, même les gens antagonistes viendront. Et lorsqu'on se rassemble, alors il y aura l'abondance de bénédictions venant d'en haut sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Arrivé là-bas, il nous enseignera ses voies. Sa voie de salut, sa voie de guérison, sa voie de bonheur, sa voie de sainteté, sa voie de victoire, sa voie de percée, sa voie de richesse, sa voie de prospérité. Il va nous enseigner ses voies de la vie éternelle. Il va nous donner, il va ouvrir nos yeux comme ça. Et si vous priez pour quelque chose, et c'était dur, difficile d'avoir la chose, il va te dire que voici la voie pour l'avoir. Alors, je ne sais pas que c'était très simple. Et tu vas t'entendre comme ça, parce qu'il nous a montré sa voie. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Et qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nahum, chapitre 1. Nous lisons le verset 15. Nahum, chapitre 1. Voilà ces gens, ces prophètes de Dieu, comment ils en parlaient, comment ils disaient, ce doit être fait. La publicité doit être exécutée. Et tout le monde, les enfants de Dieu, doivent s'y engager. Vous devez vous y engager. Voyez, Nahum, chapitre 2, verset 1. Voici sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix célèbrent des fêtes. Vous êtes l'un de nous et
vos pieds sont sur les montagnes, vous n'êtes pas à la maison, vous sortez et comme vous formez des équipes, ce sera une grande stratégie. Nous avons 16 équipes ensemble, faire à part, les sœurs à part, et on a un zèle, on a un dirigeant engagé, consacré, zélé. On visite les montagnes, les collines, les communautés, les quartiers, et nous leur disons, nous tapons à leur porte et nous les appelons, nous les contactons, nous prenons contact avec eux. Et souvent, c'est sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fils, Judas accomplit tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Lorsque vous allez, lorsque vous faites ceci pour le Seigneur va prendre soin de tout ce qui vous concerne. Le méchant, l'oppresseur, le persécuteur, le décruteur, le Seigneur va fermer leur gueule et neutraliser leur puissance au nom de Jésus-Christ. Il est entièrement exterminé. Dieu merci que nous, nous faisons partie de ceci. Parce que nous y faisons partie, le Seigneur lui-même. Parce que nous en faisons partie, le Seigneur lui-même va nous bénir et nous bénir ensemble au nom de Jésus-Christ. En Luc 8, verset 38. Luc 8, verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, ouais, parfois, quand on obtient la bénédiction du Seigneur, nous voulons rester avec le Seigneur, rester à l'église, demeurer ici, habiter ici. C'est comme Pierre. Bâtissons trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Nous voulons seulement demeurer ici. Mais ne restons pas ici, nous allons sortir. Nous allons sortir, nous allons dire aux gens. Et quand vous leur en parlez, ils vont venir ensemble. Et la première nuit, et vous allez voir ces gens. Et avant même d'ouvrir la bouche et commencer à prier, il y a des cris de joie, des cris d'alléluia, des cris de miracle, des cris de percée. Dieu va commencer à faire quelque chose de grand dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, mais il faut l'engagement avec nous. De notre part, on ne va pas rester ici à prendre. Nous allons sortir là-bas et déclarer, proclamer, publier. Verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que... Il publia comment? Dites-le-moi, haute voix. Merci beaucoup. Pas seulement en nos coins. Il y a des gens... Peut-être ils, c'est par difficulté qu'ils sortent et puis ils disent aux menuisiers à côté de leur porte là que nous avons, nous avons la retraite. Et vois, et tiens ton, fais pas. C'est plus que cela. Mais il va, tu vas à la retraite, ils vont alors et ils vont prendre contact avec le mécanicien. Est-ce que tu as appris, entendu parler de notre retraite? Et voici cela. Voici le pamphlet. C'est plus que cela. Vous devez avoir un temps pour cela. Vous sortez. Que je sors en ce temps avec mon équipe. Je sors en ce temps avec mes membres. Et vous chantez. Et on est content. Et les gens qui nous voient. Et selon que quelque chose de bon nous arrivera. Alors vous publiez cela. Vous déclarez cela. Et on leur dit comment ils seront là-bas. Ils pourraient ne pas connaître le lieu. Mais nous devons les aider comment être là. Et publier par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Cela sera notre expérience. Nous sortons pour proclamer cette retraite avec zèle. Cela veut dire que nous faisons cela publiquement. Nous faisons cela dans les écoles. Nous faisons cela dans le campus, dans nos quartiers. Et nous leur disons que cette grande chose aura lieu. Tout besoin, toute manière et toute méthode doivent être employées. Et que tout le monde soit là quand on veut publier et proclamer cette retraite, qu'on fasse retentir cela partout.
nous allons faire engager tous les membres dans cette publicité agressive et productive. Tout le monde, vous devez prendre part de cela. Ce n'est pas l'heure de dire que je suis pasteur, je suis là ici pour conseiller. Conseiller, c'est bon. Sors de là et viens te joindre à nous. Faut pas dire que c'est, je suis une nourrice, je n'ai pas de temps. Tu as le temps pour ceci. Sors et viens te joindre à nous. J'ai ceci, j'ai ce devoir. Oui, Dieu va bénir ces bénédictions, ces devoirs et vous bénir au nom de Jésus-Christ. Mais faites partie de ceci. Nous tous, nous faisons partie de ceci. Nous allons faire cela ensemble au nom de Jésus-Christ. Les efforts de cette retraite doivent être employés. Vous devez avoir des tricots imprimés pour faire la publicité. Ici, déjà à Lagos, on va publier la retraite et des gens portent leur tricot de publicité. Et vous devez faire cela pour que tout le monde vous dise que c'est quoi. Et que ce soit bleu, rouge, votre couleur de préférence, vous portez cela et vous allez dire aux gens que c'est à cause de la retraite que je porte cela. Alors eux-mêmes vont vouloir aussi porter le tricot avec vous, n'est-ce pas bon? Alors si vous n'avez pas d'argent, vous allez acheter pour eux. Ce n'est pas très cher, vous pouvez leur acheter cela. Et vous avez aussi là-bas les pamphlets, les banderoles et beaucoup de moyens, les publicités que vous allez utiliser pour atteindre les gens, que tous les lieux soient couverts et tout le monde était convaincu, tout le monde sera convaincu pour être à la retraite. Nous allons faire quelque chose pour la retraite. La retraite prochaine sera différente. Troisième point, la participation et la prière pour la bénédiction promise. La participation et la prière pour la bénédiction promise. Il y a deux choses là-bas. Ce n'est pas assez de dire que oui, je vais participer, mais je ne vais pas prier. Non. Que moi, je vais prier, mais je ne vais pas participer. Non. Cela ne suffit pas. Nous joignons les deux bouts. Nous voyons avec les deux yeux. On marche avec les deux pieds. Alors, on prend la chose avec les deux mains. Les deux choses vont de pair. Numéro un, la participation. Deux, la prière. Alors, les choses vont de pair. Voyons ces deux choses. Psaume 122. En psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. » Il y a la participation. Je suis dans la joie. Je l'accepte. Je le reçois. Je dis je prendrai part à ceci. Mais comprenez, la participation seule ne suffit pas. Il faut joindre la prière à cela. 6. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est la prière. Nous avons besoin de la paix dans notre pays, la paix dans notre communauté, la paix dans chaque commune, la paix dans chaque section, dans chaque couche sociale. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix. Et comme nous allons participer, nous allons également prier ensemble que Dieu ouvre la voie pour chacun de nous. C'est possible que chacun de nous participe. Pour nous ici, c'est possible que nous soyons là-bas. Pour eux là-bas, pour vous là-bas, parce que vous vous trouvez, alors c'est possible pour vous d'être là parce que nous participons et nous prions aussi. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 55, la participation et la prière. Ésaïe 55, versets 5 et 6. Ésaïe 55, 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Même des gens que nous n'avons pas connus, des étrangers pour nous, nous allons leur en parler.
et des gens qui ne nous connaissent pas, des gens que nous ne connaissons pas. À ce temps-ci, nous allons atteindre tout le monde. Nous allons toucher tout le monde. Et nous allons apporter, amener les gens. La parole de Dieu dit qu'ils participeront avec nous. À cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. La participation et la prière. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le temps qu'il est prêt. Lorsqu'on participe et nous publions et nous le disons aux gens, nous disons à celui-ci, à celui-là, et nous parlons de cela à nos amis, et nous parlons aux ouvriers, aux étrangers que nous ne connaissons pas, nous invitons les gens à venir et ils se joignent à nous pour participer. Nous cherchons l'Éternel et pendant qu'il se trouve et nous l'invoquons pendant qu'il est proche. Participation et la prière. Nous participons et nous nous engageons, nous publions, nous proclamons, nous disons à tout le monde, nous disons allons, nous irons aussi et nous prions. Nous prions avec eux. Zacharie 8, verset 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer, c'est la participation. Allons implorer, je vais, tu vas, nous irons ensemble, allons implorer l'Éternel. C'est la prière. Ouais, on doit joindre les deux bouts. Tu ne peux pas négliger un et être sur un seul pied, une seule jambe. Tu portes un lourd fardeau et tu restes sur une seule jambe. Tu essaies de te ceindre avec une seule main. Les deux mains doivent agir, les deux yeux doivent voir, les deux pieds doivent marcher, aller quelque part ensemble. Allons les deux yeux pour voir. C'est pourquoi les deux bouts doivent être joints. La participation et la prière. Priez. Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Nous le ferons et quand nous prions, Dieu nous exaucera. Si vous n'avez jamais vu des exaucements de prière, des miracles vous arriveront. Voilà, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu pense à vous. Il écrit des choses pour vous. Quand arrivez là-bas, voici ce que je vais te faire. Voici ce que je vais te faire. Vous n'allez pas rater cela. Vous n'allez pas rater cela. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Cette attente, cette espérance de votre vie, de votre famille sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu va vous exaucer. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyons, Psaume 2, verset 8. En Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi, est-ce que vous allez demander? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour quoi? Pour possession. Ce temps-ci, n'allons pas limiter notre prière. Nous allons prier intensivement. Nous allons élargir nos requêtes. Et le Seigneur va nous accorder nos requêtes et de grandes requêtes. Et le Seigneur va nous les donner au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 60. Verset 3, du verset 1, lève-toi, sois éclairé. Dis, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Un nouveau temps vient, de grandes choses arrivent, une grande percée vous arrivera. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière
et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tout et s'assemble et viennent vers toi. Ils viendront à la retraite. Ce sera une grande fête de l'Éternel. Tes fils arrivent de loin. Les gens qui ont perdu des enfants, tes fils arrivent de loin. Et ceux que vous n'avez pas vu de loin, mari est parti, femme est partie. Ce sera un temps de grandes retrouvailles. Et les membres rétrogrades, ce sera un temps de grandes retrouvailles de restauration. Vous allez voir des gens que vous n'avez pas vu des années. Et grande sera votre joie et délice dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et tes filles sont portées sur les bras. Verset 5. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Ce sont les bénédictions que le Seigneur a dit qu'il va déverser sur son peuple à la retraite. Verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisent se prétendront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et raï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu de faire du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Les jours d'angoisse seront passés. Cette retraite sera merveilleuse. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté l'œuvre de mes mains. Pour servir à ma gloire, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. L'heure a sonné. Êtes-vous prêts? Pourquoi êtes-vous assis si vous êtes prêts? Quand ne pas le dire au Seigneur, quelque chose de grand arrive, vous serez là, je serai là, et dites-le à tout le monde autour de vous, quelque chose de grand va avoir lieu. Et le Seigneur dit, avec sa bénédiction, arrivé à la maison, il faut relire Esaïe 60 et méditer cela, marquer cela, quelque chose de grand vous arrivera. Grande sera votre bénédiction. Grandes seront vos bénédictions, frères et sœurs. Vos larmes seront essuyées. Les angoisses seront ôtées. Les maladies seront ôtées. Les afflictions seront ôtées. Les ennemis vont fléchir les pieds, les genoux devant vous. Cette retraite sera une retraite de joie, de célébration, un temps de diffusion des bénédictions de Dieu. Frère après toi, sœur après toi, prépare-toi dans la prière, prépare ton cœur, prépare ta pensée. Dis à Seigneur, merci, merci, tu passes à moi. Tu seras là, je serai là, nous serons là ensemble. Que ce sera un grand rassemblement, ce sera une grande effusion. Le Seigneur espère que tu sois là. Je sais, j'espère que tu seras là. Quelque chose de grand
attend chacun de nous. Nous serons l'assemble. Vous allez le publier. Vous allez le proclamer. Vous allez dire à tout le monde. Vous allez faire annoncer, proclamer l'affaire à tous. Vous allez avoir votre tricot de publicité. Vous allez dire aux gens de votre région, de votre état, de votre pays, de votre quartier que nous avons des lieux de retraite partout. Et dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque état. Alors disons-le à tout le monde, cette grande moisson de bénédiction de gloire qui viendra sur nous. Dites-le partout. Touchez la vie des autres. Dites-le à quelqu'un. Soyez vraiment enthousiasmé pour en parler. Soyez zélé pour en parler. Vous le ferez. Je le ferai. Nous le ferons ensemble. Notre heure a sonné. Notre heure a sonné. L'heure de restauration. Notre temps de récupération. Notre temps d'avoir les bénédictions que nous avons perdues. Toute chose nous sera redonnée. Votre famille sera débordée de bénédictions. Votre vie spirituelle sera rafraîchie de bénédictions. Et votre profession, toute chose va reprendre vie. Quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de gracieux, de merveilleux viendra sur la vie de tout le monde. Et à cette retraite, décidez d'être là, je serai là, nous serons là. Les bénédictions, il y a des bénédictions qu'on ne peut pas recevoir quand on est isolé. Mais quand on se rassemble, quand on est ensemble, à cette grande retraite, regardez ce que Dieu fera. Il a dit, venez et mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et que si je ne déverserai pas des bénédictions en abondance sur vous. Le Seigneur a promis de nous bénir. Qui est prêt? Il est prêt. Pourquoi traînons-nous les pas? Pourquoi traînons-nous les pas? Car le Seigneur a promis de faire quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux pour nous. Soyez enthousiasmés parce que le Seigneur fera quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Priez le Seigneur, dites-le au Seigneur. Engagez-vous. Touchez la vie d'une autre personne. Sortez, atteignez les gens, vos voisins, vos parents, vos collègues, vos collatères et les professionnels et les menuisiers, tout le monde dans votre quartier et au-delà de votre quartier. Envoyez-leur des SMS, parlez-leur de cela, publiez cela et un à un, rappelez-les un à un que je vais atteindre tel monsieur. Je dois prendre contact avec tel monsieur. Je dois atteindre, je dois parler à mon maître, à mon enseignant. Je vais parler à mon collègue, à parler à cet élève. Je vais parler à celui-là. Tout le monde, engagez-vous. Engagez-vous. Et rassemblons-nous avec rassemblons-nous en grand nombre. Avec ceux qui désirent les bénédictions du Seigneur. Dites-leur ce qu'ils auront. Dites-leur ce qu'ils vont espérer. Dites-leur les grandes bénédictions que le Seigneur a réservées, préservées pour tout le monde qui ira là-bas. Et décidez vous-même d'être là, que vous serez là. Vous ne serez pas quelqu'un qui va rester en arrière. Vous n'allez pas vous isoler. Parce que c'est dans le rassemblement du peuple de Dieu que le Seigneur déversera toutes les richesses de sa gloire. Une pluie de bénédiction, un déluge de miracles, une pluie de délivrance. Ce que le Seigneur veut nous donner à son peuple. Faites alliance avec le Seigneur. La première alliance, j'irai aussi. La première alliance, le premier vœu, j'irai moi aussi. Rien ne m'empêchera. Vous mettez toutes choses de côté. Vous réorganisez vos programmes, votre programme. Que ce temps, décembre 24 à 27, au 27,
N'allez pas permettre aux visiteurs de vous empêcher. N'allez pas donner rendez-vous à quelqu'un. Vous allez organiser votre programme que je dois être là. Vous devez être là pleinement. Jurez, je serai là. Je serai là moi aussi. Et après avoir décidé et que vous en avez parlé aux gens, allons-y. Et vous leur montrez et la voix, vous les doigtez. Et monsieur, allons, madame, allons. Tous les membres de votre famille, chacun, votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, vous les suppliez ardemment, vous les suppliez de façon convaincante que allons-y. Suppliez-les. Il faut les convaincre. Voici le lieu qu'on doit être. Par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, il faut ôter toutes leurs excuses. Que non, cela ne peut jamais être comme ça. Nous devons être là ensemble. Et tous les membres de l'Église, les frères disciples de l'Église, pourquoi ne pas les atteindre d'abord? La charité bien donnée commence par soi-même. La publicité commence à la maison. La proclamation commence à la maison. Demande à ton frère, à ta soeur, je suis que tu vas là-bas, non? Je suis que tu as bien réorganisé ton programme. Je suis sûr que tu vas là-bas. Et après les avoir convaincus et écrit le nom des membres de l'Église sans exception, nous allons sortir et atteindre Saint-Jacques qui ne sont pas des nôtres. Alors nous allons, Dieu a dit de les atteindre et de les rassembler. Même les gens là qui sont dehors là-bas. Engagez-vous à cela. Que le faible dise je suis fort. Que ceux qui sont timides disent je suis courageux. Ce n'est pas l'heure pour la timidité. Ce n'est pas l'heure. C'est l'heure de convaincre de façon courageuse. Touchez la vie des gens et dites-leur un à un, votre directeur, votre PDG, votre auxiliaire, votre domestique, les gens qui vous servent, tout le monde, dites-leur que voici ce qu'il faut faire à ce temps-ci. Allons. Et rappelez-vous, lorsque vous publiez, il ne faut rien dire de négatif. Il n'y a rien d'autre comme discussion. Mettez tout cela de côté à la maison, parlez de la retraite. Et soyez positif de cela. On aura ceci et cela. On aura ceci. Soyez positif. Vous parlez à vos amis. Vous parlez à vos voisins. Vous parlez aux collataires. Vous parlez aux propriétaires. Vous parlez aux directeurs. Vous parlez à tout le monde. Que cette, voici la seule chose dont il faut en parler. La retraite. Il faut proclamer cela. Il faut annoncer cela. Dites-le à tout le monde. Que voici le moment glorieux, la grande période que nous attendons. Et grandes seront les bénédictions que le Seigneur déversera sur nous, sur son peuple et nous tous. Rappelons-nous le camp des enfants, enfin décidés d'être là. C'est l'heure que Dieu déversera son abondance de bénédictions sur vous. Jeunes, enfants, les écoliers, les collégiens, les étudiants, ce sera un temps glorieux. Faut pas rater, manquer ce temps de percée. C'est un temps d'opportunité. Allons ensemble. Nous irons nous aussi. Priez le Seigneur. Et accomplir. Honorer cette promesse. Faut pas permettre à une urgence, à un événement inopiné de vous empêcher d'accomplir cet engagement, d'honorer cet engagement que vous prenez devant le Seigneur. Et si vous faites le plan pour le transport, que nos invités soient avisés
Vous connaissez bien comment les choses sont ordonnées, sont programmées. Vous devez être là à temps. Et ceux qui se chargent du transport doivent être vraiment engagés et travailler dur. Parce que voici un moment spécial. Dans toutes les régions, et dans les États, dans toutes les nations, dans tous les pays en Afrique et au-delà de l'Afrique, voici la chose sur laquelle il faut se concentrer en ce temps-ci. Dieu le prend très spécial. Nous le comptons très spécial. Et comme Dieu le prend spécial, nous le prenons spécial, on s'unit, nous unissons encore et quelque chose de spécial, spectaculaire va nous arriver. Priez le Seigneur. Seigneur, je le prends très spécial comme tu le prends spécial. Dieu est empressé de donner. Nous sommes empressés de recevoir. Priez le Seigneur. Oui, nous allons le proclamer. Nous allons y participer et nous allons prier ensemble. Ce faisant, nos bénédictions seront illimitées.